me where the freaks at. Hey, salut à tous. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je règle un petit peu le son. Donc, je suis en la compagnie de Maxime. Ben, salut à lui. Voilà, il est juste à côté, donc à droite de la caméra. Et donc, du coup, on se retrouve du coup pour un petit déballage d'un pack. En fait, du coup, on a un clavier gamer avec sa souris, son tapis et son casque. Voilà, donc qui peut changer de couleur. Donc, c'est parti. Donc, nous allons le déballer. Mais d'abord, nous verrons un petit peu tout ce qui est écrit. Donc on peut voir, c'est en anglais, donc là c'est pas intéressant de lire de ce côté. Donc The G-Lab, c'est un petit peu le nom de ce petit pack, on va dire ça, on va l'appeler le pack. Donc on peut voir combo, hashtag 300, mouse c'est la souris, keyboard c'est, je sais pas, c'est anglais donc faut pas s'attendre à grand chose avec moi. Donc là on peut voir le clavier, la souris. Le casque et le tapis, voilà, on peut voir que ça change de couleur, on voit toutes les petites touches. Après ça c'est toutes les caractéristiques, donc du coup clavier rétro éclairé, 3 couleurs, voilà, on peut voir du coup que ça peut changer. 19 touches anti ghosting, je sais pas, c'est pour la c'est quand ça glisse en fait, si vous voulez. Rétro éclairé, 4 couleurs, du coup 4 couleurs sur la souris, précision 1200 à 3200 dpi, donc en fait ça c'est la puissance, enfin c'est quand on la bouge jusqu'à que ça y a l'ordinateur, donc c'est à peu près toujours la même chose. Donc son extra bas, basse, il y a des basses dedans, micro analogique, et puis on va tout de suite passer au déballage pour pas que ce soit ennuyant pour vous. Voilà, donc j'ai pris mon petit ciseau pour ouvrir derrière car du coup nous avons du scotch. Dis-moi si on voit ma tête parce que les gens... La tête c'est aux 10 000 abonnés. Ah, la tête c'est pas pour tout de suite les gens. Voilà. Du coup tac, on va l'ouvrir, on va le se mettre comme ça. Voilà. Tac. Donc du coup on va regarder maintenant à l'intérieur. Donc là, tac, voilà. Donc c'est ouvert si vous voulez. Alors, on plie un petit peu. On recule tout ça. Histoire de. D'y voir un peu plus clair, voilà. Donc on va enlever ça tout de suite, voilà. Donc tac, ce qui nous permet d'accéder au casque. Donc avec un long fil. Donc voilà le casque avec ça qui est flexible du coup. Vous savez que j'achète beaucoup de trucs flexibles, hein, vous pouvez le voir sur ma chaîne avec les objets what the fuck. Ça sera pas classé dans les objets what the fuck mais dans les déballages. Du coup au bout, là il y a un long fil, au bout nous avons ça du coup. Et on peut débrancher pour direct brancher par exemple sur notre téléphone portable. Et on peut rajouter ça pour brancher sur un PC par exemple. Le micro ici, voilà, donc ça c'est réglable pour la tête. On va mettre ça sur le côté, on verra d'autres caractéristiques plus tard. Donc là on va passer à la souris tout de suite, je découvre en même temps que vous, hein. Donc on peut voir la petite, le petit plastique dessus et là on a la belle souris. On va tout essayer sur l'ordinateur pour les lumières et tout ça. Donc là voici la souris. Donc pour aller en retour, en avant, les touches, presse, voilà. Donc un fil assez long aussi, on peut voir. On la met sur le côté, on verra la suite après. Donc là, tac, je vous dirai le prix, hein, vous inquiétez pas. C'est prévu, donc là on passe au petit tapis donc qui est pas si léger que ça. Et donc du coup on va l'ouvrir en même temps avec vous les gens, tranquillement. Voilà. Tac. Voilà, donc voici le tapis, on verra tout ça après. Donc en dessous on peut voir que c'est plein de petits trucs qui agrippent, voilà, qui nous stoppent tout ça. On va le mettre aussi sur le côté, hein. C'est un tapis, ça reste un tapis. Voilà, donc le clavier qui est quand même assez lourd, hein, on peut le dire, Maxime. Ah bah ça. Tiens, bah du coup, oui, parce qu'on a, Maxime l'a déballé avant et j'ai vu que le clavier était lourd, mais après j'ai pas vu quand il a déballé. Parce qu'on s'en est acheté un chacun. Donc je mets tout par terre là si vous voulez, donc voilà la boîte. On va la mettre aussi pour le coup par terre les gens. Et puis on va passer au clavier quand même qui est un petit peu l'un des trucs les plus importants dans le déballage, voilà. Donc, tac, on ouvre ici. Là, et là, on a le magnifique clavier, voilà. Tac, on enlève ça sur les côtés, donc c'est le carton. Un autre carton où il y a le câble dedans, voilà. Donc le câble qui se branche du coup par USB, donc on va le sortir. Voilà.
Donc toujours dans son petit plastique et un magnifique clavier qui est vraiment mais magnifique. Donc vous allez vous dire, t'as un ordinateur portable, pourquoi acheter ça? Mon ordinateur portable, je m'en sers et puis il a 6Go de RAM, donc finalement c'est comme un petit peu un petit PC gamer, voilà, donc pour faire les montages et tout ça c'est parfait. Donc là, voilà, il s'est allumé, clairement, c'est bon, c'est allumé. Donc pour changer, normalement c'est où? Voilà, c'est ici, regardez. Tac, ensuite on essaiera la souris, donc on va repasser. Donc là, on a le rouge, on a le bleu, on a le rose et on a rien, voilà. Donc moi je pense que je mettrai le rouge ou le bleu, bon le rose non. Mais donc voilà, donc là toujours le petit signe du lab, du coup de la marque, et puis voilà, les touches ici. Donc on peut, là il y en a certaines qui agrippent et d'autres non, en fait, c'est assez bizarre. Il y en a qui agrippent et d'autres non, voilà. Donc voilà pour le clavier. Ensuite du coup on va passer à la souris, à l'éclairage de la souris. Du coup c'est parti, on va la brancher de l'autre côté, on va décaler un petit peu notre ordinateur. On va remonter un petit peu, voilà, on va brancher ça, coupe là. Alors, c'est bon. Donc là, on découvre en même temps que on pose la souris là, on enlève le fil ici, tac, comme ça on peut l'amener jusqu'à vous. Donc là, du coup, rose, bleu, ça change, on peut voir, hein. Je vous laisse un petit peu découvrir, hein. Je suis pas obligée de toujours parler, hein. Bon bah là maintenant on a tourné donc on va pas remettre toujours la même chose, ça sur le côté, ça là, voilà. Et donc ici on pourra l'essayer sur le tapis, donc on va essayer. Oula, attendez, ça a remis la musique, donc là excusez-moi, vous allez peut-être avoir un petit écran noir. Donc là on va mettre une autre, du coup tac, on va retourner sur ma chaîne. Donc la souris marche très bien, a priori. Donc le fil, on peut dire du coup qu'il est bleu. Le fil du clavier aussi. Et donc le casque aussi, voilà. Le casque, du coup, maintenant vous m'entendrez quand je filmerai en fait mes vidéos. Ça sera avec ce casque, j'aurai le son du jeu dans là, ici. Et là, du coup, ça sera là où... Enfin, ça sera enregistré, donc on aura vous aurez un son beaucoup meilleur, voilà. Beaucoup meilleur, je sais pas si c'est français, mais vous aurez un son nettement mieux, voilà. Et donc du coup, on investit, vous avez vu, on se fait plaisir, donc n'hésitez pas du coup à me dire si vous avez des questions en commentaire. Donc là on a le volume aussi, ici le micro, donc dites-moi si ça vous plaît, des vidéos déballage, et si vous voulez qu'on continue. Et donc ben voilà, là ici à The Lab, et puis là vous avez tout, vous avez le complet, vous avez... tout le petit matos pour les vidéos, voilà. Donc ça, ce sera pour mes montages et tout ça. Après, je pense que je vous ferai une vidéo setup, parce qu'avec tout ce que j'ai... Donc la vidéo setup qui arrivera, je pense, pas tout de suite, mais elle arrivera quand même assez vite. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc merci à Maxime de m'avoir aidé un petit peu dans la vidéo. Du coup, si lors de cette vidéo, quand elle sortira, si Maxime, du coup, a créé sa chaîne YouTube, et bien vous aurez le lien de sa chaîne YouTube dans la description, donc vous pourrez aller la checker. C'est pas sûr, vous le verrez bien dans la description. Donc les gens, n'hésitez pas à liker, à commenter, du coup à me dire si vous voulez d'autres épisodes. Et puis ben, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et pour ceux qui veulent des petites questions, dites-moi en commentaire. Et donc du coup, je vous dis tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye les gens, ciao ciao.